Découvrez un fait divers qui a secoué le Brésil tout entier. Une actrice de telenovelas sera retrouvée morte, poignardée de 18 coups de couteau. Qui a bien pu lui en vouloir à ce point et pourquoi? Aujourd'hui, la triste histoire de Daniela Pérez. Nous sommes le soir du 28 décembre 1992. Le commissariat reçoit un appel. C'est un avocat au bout du fil, un certain Hugo da Silveira. Il appelle car en rentrant chez lui, sur le chemin du retour, il a vu quelque chose de bizarre. Dans un endroit isolé, il a vu deux voitures garées sur le bas-côté de la route. Il y avait une femme, je cite, au visage rond ainsi qu'un homme. Il n'avait pas l'air net. L'avocat s'est alors dit que c'était sûrement un vol. Alors il a pris soin de noter les plaques d'immatriculation des voitures, s'est dépêché de rentrer chez lui pour aussitôt prévenir la police. Une équipe de police est dépêchée sur les lieux et à l'endroit indiqué, les agents ne trouvent qu'une voiture. Une escorte, elle est vide et les papiers à l'intérieur du véhicule sont au nom de Raoul Gazola. L'un des officiers décide de se rendre à l'adresse qui figure sur les papiers pendant que le deuxième reste sur place à surveiller la voiture. Et c'est en faisant un tour rapide des alentours qu'il trébuche sur quelque chose. À quelques mètres de la voiture, un peu plus loin, dans le fourré, il découvre un corps, celui d'une jeune femme. Elle a le corps lardé de coups de couteau. Et les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir qui elle est. En arrivant justement chez ce Raoul Gazola. Raoul Gazola est un acteur célèbre au Brésil. Il est marié à une actrice tout aussi célèbre, une certaine Daniela Pérez. Et c'est justement elle qui conduisait la voiture ce soir-là. Et c'est donc elle qui gît sur le sol. La jeune Daniela, 22 ans, a été poignardée 18 fois. 8 fois au cœur, 6 fois au poumon. Et 4 fois à la gorge. On ne lui a laissé aucune chance. Raoul est fou de chagrin. Lui et la famille de Daniela, donc sa mère, une célèbre scénariste de telenovelas, arrivent en catastrophe au commissariat. La nouvelle de la mort fait le tour du pays. Plusieurs proches se présentent spontanément pour les soutenir et leur présenter leurs condoléances. Et des collègues de plateau aussi. Il faut dire que la victime n'est pas n'importe qui. Daniela est une étoile montante au Brésil. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans. Avec son talent et son charme, elle a rejoint l'une des meilleures compagnies de danse de Rio de Janeiro, Vassilou Dansu. Puis les choses sont allées très vite pour elle. De la danse, elle est passée à la télévision. Elle a très tôt enchaîné les rôles, rôles qui seront de plus en plus importants. Et c'est sur le tournage de Cananga de Japão en 1989, à l'âge de 19 ans, qu'elle a rencontré celui qui deviendra son mari, l'acteur Raoul Gazola. Ils vont se marier l'année suivante, en 1990. Elle a alors 20 ans et tout lui réussit. Les rôles qu'elle interprète à la télévision deviennent inlassablement les préférés du public. Elle jouera dans différentes telenovelas, dont certaines écrites par sa propre mère, et au moment de sa mort, elle est à l'apogée de son art et campe le rôle de Yasmine dans la série De Corpo de Alma. Sa mère y est d'ailleurs scénariste, et c'est d'ailleurs ce rôle qui l'amènera à sa perte. Pour le moment, il y a urgence, les enquêteurs commencent leur enquête. Ils reprennent en détail les informations qu'a fournies Hugo da Silveira, le témoin. Il parlait d'un couple, dont une femme au visage rond, d'une voiture, modèle Santana, d'une autre voiture, la fameuse escorte qui a été retrouvée. Plus important encore, il avait pris soin de noter les plaques d'immatriculation des voitures, dont celle de la Santana, qui a la plaque OM115. Le premier réflexe des enquêteurs est de se rendre sur le lieu de travail de Daniela. Ils regardent sur le listing des voitures qui se garent tous les jours dans le parking des studios Tycoon de Barra da Tijuca, où se tournaient des Corpo de Alma, et là, surprise, ils découvrent qu'il y a bien une Santana dont la plaque d'immatriculation est non pas OM115, comme l'avait indiqué Hugo, mais LM115.
115. Et ce véhicule est au nom de Guilherme des Padois, qui campe le rôle de Bira dans la série. Bira, qui est en couple avec Yasmine, jouée, rappelons-le, par Daniela. Ça fait beaucoup de coïncidences pour un seul homme. Alors, dès le lendemain du meurtre, le 29 décembre, la police frappe au domicile de Guilherme pour le conduire au poste et l'interroger. Guilherme ne se dégonfle pas, il clame haut et fort que ce n'est pas lui qui a tué Daniela, mais face à la multitude de preuves, on découvre par exemple des résidus de ruban adhésif sur sa plaque d'immatriculation, prouvant qu'il a modifié le L en O, probablement avec du scotch noir. Et ne pouvant que difficilement faire autrement, il avoue le crime. Il va justifier tant bien que mal le meurtre en disant que Daniela le harcelait, ce qui sera d'ailleurs contredit par les collègues de tournage. On l'entend avec sa femme au téléphone et il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va prendre la responsabilité de tout ça tout seul. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Et s'il n'y avait pas un mais deux meurtriers après tout, c'est peut-être sa femme, la femme au visage rond qui avait été vue sur les lieux. Le 31 décembre, le couple est officiellement arrêté pour le meurtre de Daniela. L'affaire fait la une des journaux dans tout le pays mais aussi à l'étranger. On verra CNN ou encore CBS reprendre l'information. Au début, Guilherme va donc prendre l'entière responsabilité du meurtre. Paula, sa femme, qui avait tout d'abord avoué le meurtre, va ensuite se rétracter. Puis, avec le temps, les deux vont mutuellement s'accuser du meurtre, avant de décider l'un comme l'autre de ne plus rien dire, invoquant leur droit à garder le silence jusqu'au procès. Procès qui arrivera 5 ans plus tard. Donc c'est en prison que Paula, qui était enceinte de 4 mois au moment de son arrestation, accouchera de son petit Felipe en mai 1993. Et donc 5 ans plus tard, en janvier 97 pour l'un, Guilherme, et en mai 97 pour Paula, arrivent enfin les procès. Et voilà, selon le procureur, ce qui s'est vraisemblablement passé. Le 28 décembre 1992, Daniela est sur le plateau et enchaîne les scènes. Elle joue des scènes romantiques avec son partenaire à l'écran, Guilherme. Dans la série Bira, qui est donc Guilherme, est extrêmement jaloux d'Yasmine, donc Daniela, l'empêchant de s'habiller comme elle le veut, de danser, etc. Et dans le scénario, leur relation prend fin. Alors il est légitime de se demander ce qu'il adviendra du rôle de Guilherme. D'autant plus qu'il n'est pas apparu dans les 2 derniers épisodes. Donc Guilherme a toutes les raisons de s'inquiéter. Alors que les acteurs jouent les dernières scènes de l'année, Guilherme est nerveux. Il ne sait pas si son rôle va être reconduit. Et il n'avait, paraît-il, de cesse de regarder Daniela, qui est, je vous le rappelle, la fille de la scénariste. Sûrement avait-il l'espoir que Daniela puisse faire quelque chose auprès de sa mère. Après avoir tourné ses scènes, Guilherme et maman pleurent, ils continuent de fixer Daniela, personne ne dit rien, mais tout le monde le remarque et à un moment, avant qu'il ne parte, il va la voir et lui remet 2 feuilles. Les collègues de tournage ont vu la scène de loin, Daniela et Guilherme avaient une conversation animée, Guilherme avait l'air furieux, des comédiens et autres techniciens qui étaient présents dans le vestiaire avaient demandé à Daniela ce qu'il s'était dit, mais Daniela avait refusé de le leur dire. En fin d'après-midi, Guilherme quitte les studios, il retourne à son appartement sur Avenida da Copacabana. Il récupère sa femme, Paula Thomas, qui est donc enceinte de 4 mois. Ils sont vus par un voisin qui remarque qu'ils ont avec eux un drap et un oreiller. Le couple prend la direction des studios de tournage. Guilherme doit terminer de tourner les scènes de rupture avec Daniela. Arrivée au studio, Paula ne sort pas de la voiture. Elle se cache sur la banquette arrière, couverte du fameux drap. Et Guilherme, de son côté, s'en va tourner. Vers 21h, le tournage se termine enfin. Dans le parking, Guilherme et Daniela font des photos avec des fans qui faisaient le pied de grue devant les studios. Quand ils terminent, chacun retourne à sa voiture. Guilherme part le premier, avec toujours sa femme cachée sur la banquette arrière de sa Santana, suivie de près par Daniela au volant de son escorte.
Ils prennent des chemins différents jusqu'au moment où Guilherme bifurque et arrête sa voiture sur le bas-côté de la route. En réalité, il espère voir passer la voiture de Daniela. Il dira plus tard que c'est parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Après quelques minutes d'attente, il voit enfin ce qu'il attendait tant, c'est-à-dire la voiture de Daniela. Il réalise qu'elle va faire le plein dans la station essence juste en face, alors il en profite pour y aller et faire barrage avec sa voiture pendant qu'elle fait son plein. Daniela, réalisant que c'est son collègue, sort de la voiture pour lui demander ce qu'il se passe. L'employé de la station-service voit toute la scène. Au début, il est choqué de voir une voiture entraver celle de Daniela, la célèbre actrice. Il pense de suite à mal, c'est peut-être une agression qui est en train de se jouer sous ses yeux. Mais quand il réalise que le conducteur de la voiture qui fait barrage est Guilherme, son partenaire à l'écran, il relâche sa vigilance. Guilherme sort de sa voiture pour lui aussi aller à la rencontre de Daniela et il la frappe violemment au visage. La pauvre tombe inconsciente sur le sol. Guilherme prend alors Daniela toujours inconsciente et la met à l'arrière de sa voiture. Entre-temps, Paula était sortie de sa cachette et s'était mise au volant de la Santana. Quant à Guilherme, il prend le volant de l'escorte de Daniela et les deux voitures disparaissent dans la nuit. Ils se rendent ensuite dans une rue déserte, non loin de là, la rue Candido Portinari, puis se rendent dans un endroit isolé, près d'un terrain vague. Et c'est sur ce terrain vague que Paula et Guilherme commencent à poignarder Daniela. D'abord à l'intérieur du véhicule, puis dans le fourré, un peu plus bas où elle sera retrouvée. Et c'est à peu près à ce moment que l'avocat, Hugo da Silveira, passe à côté pour rentrer chez lui. Et il donnera l'alerte peu de temps après. Après le meurtre, Guilherme et Paula abandonnent la voiture de Daniela, montent au volant de la Santana, puis se rendent dans une station-service. Ils demandent à l'un des employés de nettoyer la voiture de fond en comble, et une fois la voiture totalement clean, ils rentrent chez eux. À leur arrivée, Paula étant enceinte, elle décide de rester se reposer, quant à Guilherme, il part se promener dans Copacabana et on suppose que c'est au cours de cette balade qu'il a jeté l'arme du crime dans la mer. Ensuite, apprenant que la mère et le mari de Daniela sont au poste, pour faire diversion, ils vont aller leur présenter leurs condoléances et faire les amis éplorer pour faire illusion. Voilà ce qui s'est vraisemblablement passé, mais reste encore à éclaircir certains détails lors du procès. Comme je vous le disais, au fil des ans, Guilherme a plusieurs fois changé de version. D'aucuns pensent qu'il testait différentes défenses dans la presse auprès de l'opinion populaire. Il dira dans un premier temps qu'il a agi en légitime défense. Il entretenait une relation amoureuse avec Daniela. Mais quand il a appris que Paula était enceinte, il a décidé de mettre un terme à cette relation extra-conjugale. Chose qu'aurait refusé Daniela. Précisons que les proches de Daniela et leurs collègues ont affirmé que cette relation a été inventée de toutes pièces. Daniela aurait alors menacé de tuer Paula, la femme enceinte, s'il mettait un terme à cette relation. Guilherme a donc tué Daniela pour sauver femme et enfant. Mais après avoir divorcé de Paula, il a changé son témoignage et a rejeté la faute sur Paula. Paula était jalouse, d'ailleurs précisons que Paula était elle aussi actrice, elle avait à peu près le même âge que Daniela, et elle était réputée pour sa jalousie. Elle aurait déjà eu des crépages du chignon avec d'autres rivales par le passé. Dans cette autre version, Guilherme a affirmé avoir entretenu une relation avec Daniela dans le but d'avoir les faveurs de la mère scénariste, et la nuit du meurtre, il a ramené Daniela sur une plage déserte simplement pour lui parler, mais Paula, qui s'était cachée sans qu'il ne le sache à l'arrière du véhicule, a surgi de nulle part et s'est jetée sur Daniela. Tout en tenant Daniela d'une main, Guilherme a dit qu'il essayait d'arrêter Paula de l'autre. Là, il aurait perdu l'équilibre et serait tombé sur le sol avec Daniela. Lui et Daniela auraient alors perdu connaissance. Puis il se serait réveillé quelques minutes plus tard et a vu Paula donner les deux trois derniers coups de couteau.
Et voilà, c'était trop tard pour faire quoi que ce soit. Paula, de son côté, a toujours nié sa participation au meurtre, affirmant qu'elle n'était pas là au moment du meurtre, elle faisait des courses à ce moment-là. L'avocat Hugo Balaira, cet alibi d'un revers de manche, c'est elle qui l'a vue sur la scène de crime dans l'une des voitures. Quoi qu'il en soit, ni Paula ni Guilherme n'arriveront à convaincre les jurés de leur innocence. Ils tenteront tout de même d'écarter la préméditation qui leur infligerait une peine plus lourde en invoquant le crime passionnel et impulsif. Mais comment y croire quand on sait que la plaque d'immatriculation de leur voiture avait été au préalable falsifiée ? Le couple est accusé d'homicide qualifié et non de meurtre illicite. J'imagine que c'est le jargon juridique au Brésil qui désigne un meurtre sans préméditation. Il apparaît évident, selon certains témoignages, que Guilherme harcelait Daniela afin qu'elle soit son amie. Et bien entendu, c'était de manière complètement intéressée, car sa mère, encore une fois, était scénariste pour la série, avait donc tout pouvoir sur son rôle. Il a lui-même d'ailleurs admis ça à la barre. Quand la semaine précédant le meurtre, il a reçu son scénario, il a pris peur, car il y apparaissait de moins en moins. Il était intimement persuadé que c'était sous l'influence de Daniela que la mère Gloria l'évinçait petit à petit. Ça l'a rendu fou de colère. Il a suspecté Daniela, se disant qu'elle s'était sûrement plaint de son comportement auprès de sa mère, de ses différentes sollicitations constante. Et Guilherme ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisqu'en parallèle, il aurait manipulé sa femme, Paula, pour qu'elle devienne folle de jalousie. Et vu son passif de jalousie extrême, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc Paula, elle, était, à tort, persuadée que Daniela tournait autour de son mari et elle l'a donc pris en grippe. Et le couple a donc méticuleusement planifié le meurtre. Quand on leur demandera quelle était l'arme du crime, ils diront que c'est à l'aide d'un ciseau que Daniela a été tuée. Ciseau qui était habituellement dans la voiture car Paula raffolait des briques de lait, elle en buvait tout le temps et donc elle avait toujours une paire de ciseaux dans sa boîte à gants pour pouvoir les ouvrir. D'ailleurs, l'entourage va complètement nier cette lubie du lait. On pense qu'ils ont parlé de ciseaux pour justement appuyer leur version du crime passionnel non prémédité avec des ciseaux qui se trouvaient justement là par hasard. Mais le médecin légiste, lui, va affirmer que ce n'est pas un ciseau qui a été utilisé. C'est de toute évidence un objet à double tranchant. Il pense plutôt à une dague, un poignard avec une lame de chaque côté. De plus, une personne qui donne des coups de ciseaux serait forcément blessée. Or, le couple n'avait pas la moindre blessure aux mains. Quoi qu'il en soit, le jury n'est pas dupe. Une Paula cachée sur le siège passager, une dague, une plaque d'immatriculation falsifiée, une embuscade à la station-service avec témoins, de fausses condoléances, ce sont bien les preuves d'une préméditation et d'une tentative de dissimulation. Mais au-delà du motif passionnel ou haineux, une hypothèse est massivement relayée, celle du rituel de magie noire. En tout cas, dans la façon dont ils ont exécuté Daniela. Déjà pour commencer, Guilherme et Paula étaient réputés pour leur attrait pour les sciences occultes, en tout genre, y compris les moins recommandables, et la scène de crime est troublante. Tout d'abord, Daniela a été retrouvée morte à l'intérieur d'un cercle brûlé. L'intérieur du cercle avait été brûlé il y a un moment, mais les contours du cercle, eux, avaient été brûlés récemment. Elle a également été retrouvée au pied d'un arbre, et selon les experts, les sacrifices humains se font au pied des arbres, et une substance inconnue y avait été déposée sur le tronc. Le jour de la mort a aussi son importance, c'était le dernier lundi de l'année, la nuit de la nouvelle lune. Or, cette nuit-là, dans l'année, est très particulière dans certaines croyances. Elle est considérée comme la lune des sacrifices. Dans la paume de la main de Daniela, il y avait une tache rougeâtre. Les médecins n'ont jamais réussi à l'identifier. Certains se sont demandé ce qu'il était devenu du sang de Daniela. Il n'y avait aucune trace de sang sur la scène de crime. Certains vont dire que ça a sûrement été épongé avec l'oreiller ou avec le drap. L'arme du crime aussi est hautement symbolique. C'est une dague, rappelons-le, peu banal comme arme, et justement, les dagues sont connues dans les sciences occultes pour être utilisées dans les sacrifices.
Ensuite, le médecin a déterminé que le premier coup qu'a reçu Daniela était à la gorge, et toujours selon des experts, dans les sacrifices humains, le premier coup doit impérativement traverser la trachée. Les coups de couteau à la poitrine forment un arc de cercle autour du cœur de Daniela. C'est très géométrique. Quand l'équipe de police s'est présentée au domicile du couple pour inculper Paula, il y avait un homme qui s'était présenté comme étant pasteur de l'église mystique. Il a essayé d'empêcher les policiers d'entrer dans la chambre de Paula au motif qu'elle dormait. Précisons qu'elle dormait grâce à ses prières, avait-il dit. Cet homme aurait dit à l'un des policiers que selon lui, le mariage de Paula et Guilherme n'allait pas tenir plus de 6 mois, étant donné que l'endroit où ils habitent était un centre de mauvais esprits. Un petit hôtel avec une figurine noire avait été retrouvé dans l'appartement du couple. Il semblait qu'il faisait des offrandes à cette figurine noire. Mais alors on peut se poser la question de savoir quel culte il vénérait. Eh bien les policiers sont remontés à la galerie où la figurine noire avait été achetée. Et le fabricant a indiqué que ce qui importe, ce n'est pas la figurine en elle-même, mais ce qu'on y met à l'intérieur. Il a expliqué que certaines personnes pouvaient même utiliser une statuette du Christ, mais en réalité cacher leur culte à l'intérieur de la statuette. Et selon l'usinette, qui est la femme de chambre du couple, elle a vu la mère de Guilherme détruire une figurine juste avant que la police n'arrive, disant que ça allait empirer la situation de son fils. Sans compter que le couple avait un tatouage sur leurs organes génitaux, chacun avait écrit le prénom de l'autre avec des motifs rouges et blancs. Et d'ailleurs, ils portaient chacun un bracelet rouge et blanc qu'ils gardaient en toutes circonstances. Ça avait d'ailleurs posé problème pendant le tournage, car Guilherme refusait qu'on à ces bandes blanches et rouges, et donc il fallait les cacher pour les besoins de la série. Le gynécologue de Paula va aussi confirmer la présence d'un tatouage rouge et blanc à l'entrejambe de Paula. Selon des experts, en sacrifice rituel, les rituels de magie noire démoniaque sont très différents des rituels classiques. Dans les rituels classiques, le saint et payé après avoir reçu la grâce. Alors que dans les pactes démoniaques, c'est le contraire. Vous payez en premier, il s'ensuit une période de grande agitation, et après vient le temps de récolter la récompense promise. Donc peut-être qu'ils ont tué Daniela en espérant autre chose. Et enfin, Guilherme lui-même a souvent mentionné un magicien qui était à la fois son mentor et son guide spirituel, un certain Chico Preto, qui était un magicien très connu de magie noire à Monte Claros. Après délibération, le 15 janvier 1997, Guilherme de Padua a été condamné à 19 ans de prison, auquel il faut enlever les 4 ans déjà effectués. Il fera appel de la décision, en vain, car sa peine sera confirmée. Le procès de Paula, lui, qui a eu lieu un peu plus tard, le 16 mai 1997, eh bien, elle a été condamnée à 18 ans et 6 mois de prison. Elle a bénéficié de 6 mois en moins que son mari, car elle n'avait pas 21 ans au moment du meurtre. Et lors de l'appel, sa peine a été revue à la baisse. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. La mère de Daniela, Gloria Pérez, va réussir à faire modifier la Constitution et sera à l'origine d'une loi sur les crimes odieux. Le projet de loi avait obtenu pas moins d'1 400 000 signatures. Dans cette loi, les meurtres au premier degré, c'est-à-dire commis pour un motif brutal ou futile, ou commis avec cruauté, sont considérés comme des crimes odieux et ne permettent donc pas le paiement de caution, rallonge en plus de ça la condamnation et interdit toute libération conditionnelle. Précisons d'ailleurs que cette loi sera adoptée, puis abrogée en 2006, la Cour suprême l'ayant jugée inconstitutionnelle. Et même si la loi est très vite adoptée, n'ayant pas d'effet rétroactif, donc qui ne peut être appliquée aux crimes ayant eu lieu avant que la loi ne soit adoptée, eh bien cette nouvelle loi n'a pas été applicable à Guilherme et Paula, même s'ils en étaient indirectement les instigateurs. Et c'est après avoir purgé au total 7 ans de prison que l'un et l'autre, à quelques mois d'écart, seront libérés pour bonne conduite en 1999. Guilherme
alors 29 ans. La mère de Daniela, Gloria, dira « Encore un autre criminel dans la rue, c'est ce que vaut la vie de ma fille, 7 ans de prison. Il ne reste qu'à espérer que Dieu empêche les autres parents de vivre la douleur qu'a vécue ma famille et moi. Pour moi, c'est comme si la justice approuvait ce meurtre. » Ce crime restera dans les annales du Brésil, étant donné le jeune âge de la victime, le fait qu'elle était connue et surtout étant donné le fait qu'il n'y avait, a priori, aucune raison pour que son collègue l'exécute de manière aussi froide et brutale. Paula s'est lancée à sa sortie de prison dans une carrière juridique et ça n'a pas été sans difficulté, car plusieurs étudiants, en l'an 2000, se sont opposés à son arrivée à l'université. Des étudiants portaient des t-shirts à l'effigie de Daniela, avec des inscriptions dessus telles que « Quelle est la valeur de cette vie ?» ou encore « Le tueur est parmi nous ». Mais en vain, puisqu'à ce jour, Paula est avocate. Elle portera plainte de nombreuses années après sa sortie de prison contre un magazine, Istoé, qui parlait du cas et donc d'elle. Elle a invoqué le droit à l'oubli, elle, qui a purgé sa peine et donc payé sa dette envers la société. Elle n'a pas obtenu gain de cause, la cour a invoqué la liberté de ne pas omettre la vérité. La société a le droit de connaître son histoire, surtout quand les crimes ont marqué leur histoire, justement. Elle aura 50 ans le 11 août 2020 et pour les Brésiliens, elle est et elle restera celle qui a tué par jalousie. Gloria, la mère de Daniela, continuera une brillante carrière d'auteur de telenovelas jusqu'à recevoir en 2009 un Emmy Award pour la série Camino das Indias. Il lui arrive régulièrement de parler de la tragédie qui a touché sa fille. Quant à Guilherme, il s'est marié 2 fois et aide désormais à répandre la bonne parole puisqu'il est devenu, tenez-vous bien, pasteur d'une église baptiste en Bosnie-Herzégovine. Il a essayé d'écrire un livre avec sa version des faits, mais la mère, Gloria, a réussi à en interdire la publication, hors de question qu'il souille un peu plus la mémoire de sa fille. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, ce cas a été un peu plus long que prévu à traiter. D'ailleurs, il nous a été proposé par l'un d'entre vous, merci énormément. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, Lila X Lilia, c'est notre Instagram. Le Tipeee est en barre d'infos. Merci aux contributeurs, que ce soit en regardant des pubs ou en faisant des tips. C'est très touchant, merci énormément. Quant à nous, on vous donne rendez-vous mardi 14h30 pour une autre triste histoire.